Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, très rapidement, on va voir les plateformes qui permettent d'investir à partir de 1 euro sur de l'immobilier. Je t'en ai déjà parlé, donc moi j'aime bien tout ce qui va être investissement immobilier. Ici, on a des plateformes, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Il va y avoir Brix, il va y avoir la première brique que je vais te présenter ici, que j'ai testée moi-même. Ces plateformes, elles vont nous permettre donc de partir à partir 10 euros pour Brix. Même 1 euro pour la première brique, et donc en fait dessus on va pouvoir investir sur des projets en collectif. On va avoir des taux de rendement qui vont être très 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 intéressants, jusqu'à 10% de rentabilité en moyenne. Donc en fait le principe c'est que à des centaines voire des fois des milliers d'acheteurs, on va pouvoir placer tous 10 euros, 100 euros, des fois des centaines d'euros ou milliers d'euros sur un projet, et au final, les personnes qui gèrent le projet vont pouvoir acheter quelque chose à des centaines, voire des fois quelques millions d'euros, pour après le revendre, et avec la plus-value, et ben, on va pouvoir gagner très rapidement jusqu'à 10%, 10, 11, 12% de rentabilité. Voilà un peu comment ça marche. Tu peux très rapidement te créer un compte, c'est gratuit. Donc après, là, on nous explique sur Brix, il y a les avantages sans les inconvénients. Voilà, à partir de 10 euros, rentabilité donc 11%, là ils mettent. Liquidité, tu peux acheter et vendre quand tu veux, aucun frais à l'entrée ou à la sortie. C'est même eux qui gèrent tout ce qui est fiscalité. Donc ils vont te faire les intérêts sur la plus-value pour dégager la fiscalité. Toi, tu n'as rien à déclarer, c'est fait tout seul. Et c'est voilà, donc là, aucune gestion, Brix s'occupe de tout. Comment ça fonctionne? Donc c'est eux qui vont sélectionner des biens de rapport. Donc là, il y a vraiment une équipe derrière qui travaille. Après, toi, on va regarder après, mais en gros, ils sélectionnent des biens. Là, on voit, par exemple, financé à 100% par 500 investisseurs. Moi, après, si j'ai envie de placer des sous dessus, eh ben, je vais pouvoir me placer. Je mets combien je veux, et derrière, je vais pouvoir me placer. Là, il y a des rendements locatifs, après, qui vont être versés tous les mois, et quand ils revendent, eh ben, j'ai ma plus-value. Voilà, par exemple, les exemples qui ont été faits. Là, un immeuble de rendement à 1,3 million qui a été acheté par 2500 investisseurs. Donc là, ici, rentabilité à 11%. Ici, 740 000 euros à Montpellier par 520 investisseurs pour 13%. Et là, 15,5%, 15,6 pardon, pour son rentabilité pour 292 investisseurs. Donc voilà, c'est par exemple des exemples comme ça. On va regarder pour la première brique. La première brique, personnellement, j'y ai placé sur un immeuble comme ça, j'ai placé 5 000 euros à plus de 10, 10, quelque chose pour cent. Et normalement, c'est sur 12 mois. Donc c'est peut-être celui-là, je sais plus. C'est quelque chose comme ça. Donc c'était marqué entre 8 et 12 mois. Donc quand le projet sera revendu, et ben, en fait, je pourrais retoucher mes parts. Donc après, ils vont directement me rendre. Donc mes 5 000 euros, c'est-à-dire que je vais toucher 500 euros dans moins d'un an. Donc première brique, c'est pareil. Là, je vais dans les projets. Je vois, il y a tous les projets qui ont été faits, qui sont maintenant clôturés, financés. Donc quand il y a un projet, c'est marqué, voilà, en attente d'investisseurs, 191 000 euros collectés sur 271, 15% sur 6 mois. Donc celui-là, il est quand même énorme. Là, 11% sur 16 mois, 10% sur 12 mois. Et donc voilà, donc là ils sont tous comme ça, tu peux chercher un petit peu, sachant que ça va quand même très très vite pour les financements. Je sais pas, en 10 minutes, le truc il est rempli. Donc il faut pouvoir suivre. Si je cherche à investir, pour l'instant, il n'y en a pas de libre. Non, c'est plus dans le projet, je dirais. Publié. Là, il n'y en a pas. Financé, remboursé, remboursé, ceux-là, ils sont terminés. Donc là, il n'y en a pas encore de disponible. Après, voilà, après, quand tu es connecté, tu te crées un compte pareil ici. Et après, facilement, tu peux faire des alertes et voir quand il y a un projet. De toute façon, ils t'envoient des mails, ils le disent. Investir, pareil. Un sous-jacent solide, l'immobilier. Taux de défaut 0%. Parce que voilà, c'est les personnes qui vont chercher des biens, qui vont sur le terrain, qui cherchent. Accessible dès 1 euro, aucun frais. Inscrivez-vous, hop là, on peut voir les projets. Donc derrière, on reçoit vraiment toute la maquette du projet. On peut suivre le projet. Et derrière, on reçoit les intérêts quand c'est revendu.
Et là, les exemples qu'on vient de voir ensemble. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je recommande, parce que au moins à essayer, si tu as quelque chose à placer ici à partir de 1 euro pour la première brique. Et voilà, après, bah, ça, il y a 10%, donc il ne faut pas non plus mettre 10 euros dessus, ça n'a pas grand chose. Mais au moins pour essayer, pour créer le compte, c'est très rapide, on peut virer les sous en une journée, les sous ils sont sur le compte. Et derrière, eh ben, on peut recevoir les intérêts. Donc voilà, je te dis à bientôt. N'hésite pas du coup à essayer, à me dire en commentaire si tu as essayé ou pas déjà. Puis voilà, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à bientôt. Ciao!